d'abord merci une nouvelle fois de m'avoir élu joueur du mois d'avril. Ce qui s'est passé durant ces mois-ci, c'est qu'on a réussi à gagner encore des matchs, à être performant, et ce qui nous amène là où on est aujourd'hui à faire une demi-finale à domicile. C'était trois matchs importants. On était les trois clubs à part Biarritz bien sûr, mais c'était une fin de saison où tous les clubs entre le deuxième et le sixième qui étaient assez regroupés en termes de points. Donc le peu de points qu'on pouvait prendre ou qu'on pouvait louper pouvait nous faire basculer de la deuxième à la quatrième ou de la deuxième à la sixième en fonction des vainqueurs. Donc forcément ça a été un mois très intense et très important pour nous, pour la fin de saison et pour les phases finales. Mont-de-Marsan, ça a été le deuxième match à domicile après Oyonnax. Il y a eu Massy entre les deux, où on avait perdu contre Oyonnax, où ça a été un match intense et qu'on voulait gagner absolument. Derrière, on gagne Massy et après, voilà, Mont-2 à la maison, c'était le match qu'il fallait absolument gagner. Si on gagnait, on pouvait reprendre 5 ou 6 points d'avance sur eux, donc on était à l'abri d'une défaite si on perdait après. Donc c'était le match absolument à gagner. Ça a été un match compliqué, dur, pendant 70 minutes, j'ai envie de dire, parce que les dix dernières minutes, ça a été une euphorie complète. Voilà, on a été dans une forme. On était imprégné par le public, nous a poussé, on était sur une vague qui était incroyable, quoi, et on l'a vu dans les émotions de chacun sur nos essais, le public, on ne s'entendait plus, enfin voilà, c'était une ambiance incroyable, et je pense que c'est la première fois que depuis le début de la saison, quoi, mis à part Oyonnax, mais c'est encore autre chose, c'était incroyable, quoi, c'était... Moi, personnellement, j'étais comme un enfant, je sautais dans tous les sens, je jouais un peu avec le public. Bon, on me disait de me calmer, mais c'était un peu compliqué pendant 10 minutes. Donc voilà. Après, il y a eu Nevers. Nevers, ça a été tout autre. Voilà. On savait que Nevers était sur une grosse série de victoires impressionnantes, une équipe très en place. Chez eux, très, très difficile à jouer. On fait, à mon sens, 40 bonnes premières minutes où franchement, on n'est pas inquiété. On est pendant 30 minutes dans leur camp, mais on ne marque pas d'essai alors qu'on avait les opportunités pour marquer. Et cette deuxième mi-temps a été catastrophique. On prend 5 cartons rouges, cartons jaunes, pardon. On perd nos nerfs, on fait des fautes assez bêtes. Donc forcément derrière on en prend 40 et le score est un peu logique. Et le dernier match, Biarritz c'était c'est une équipe qui a été en difficulté. Donc il fallait absolument gagner aussi parce que Mont-de-Marsan, Nevers et Vannes étaient à 2 ou 3 points de nous, il y avait 2-3 points d'écart, donc il fallait absolument gagner contre une équipe qui était plus en difficulté, qui était chose faite. Sur une première mi-temps où voilà, on était au-dessus complètement, je pense qu'on aurait pu avoir un score un peu plus large à mon sens, parce que voilà, il y a 2-3 actions qu'on finit pas, qu'on aurait pu finir. Et la deuxième mi-temps, voilà, c'était un peu plus compliqué sur les 15-20 premières minutes, mais on a su garder le score à notre avantage. Bah, ça n'a rien à voir entre avoir un stade vide où il y a des gens, mais où le stade n'est pas rempli, à un stade quasi plein. Ça n'a rien à voir. Déjà, la puissance que peut apporter un public pour son équipe, elle est multipliée par 10. Quand on avance, on entend le stade pousser, donc ça nous pousse encore à avancer. Enfin, moi, personnellement, ça me pousse à avancer, à ce qui gueule encore plus et ce qui nous encourage encore plus, parce que forcément, on joue... pour ces émotions-là, pour avoir un stade plein. Je me souviens qu'on perd à domicile ou on fait deux matchs nuls.
Mais je pense que si le stade est un peu plus complet, le match, on le gagne. Et voilà, je voulais encore remercier à tous les supporters de venir et de venir de plus en plus nombreux au stade. Donc forcément, ça joue aussi sur nos performances. Mais voilà, c'est une chose que nous, on ressent sur le terrain. Quand il y a 6 000 personnes et quand il y en a 16 000, c'est bizarre à dire, mais on joue encore mieux, on se pousse un peu plus pour gagner les matchs. Moi, je sais que quand on entend, j'entends certains vieux, entre guillemets, de l'équipe, enfin, les plus expérimentés, quand on a la chance de pouvoir jouer des phases finales, une demi-finale à domicile, par exemple, qui va arriver la semaine prochaine, t'en joues pas tous les ans. Donc, quand t'as l'opportunité, d'en jouer une, faut pas avoir de regrets, il faut la jouer à fond et il faut toujours aller plus loin parce que il y a des saisons où tu peux être en haut et l'autre d'après être au plus bas. Et donc c'est pour ça qu'il faut profiter de chaque instant et de continuer à ce qu'on est en train de faire, à profiter de ça parce que on est sur une dynamique qui est incroyable et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose d'encore plus grand en fin de saison. Donc je pense que c'est le but de cette fin de saison pour nous, c'est d'aller chercher cette finale à Ernest Vallon, dans un lieu déjà, un lieu entre guillemets de rugby, quand on connaît le parcours du Stade Toulousain, de jouer dans un stade comme ça pour une finale, je pense que on n'en joue pas tous les ans et il faut profiter de chaque instant. Je pense que j'ai même pas besoin de dire un mot, mis à part de les remercier de nous avoir soutenus tout au long de l'année, dans les périodes bonnes comme mauvaises. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je pense qu'ils vont venir tout seuls pour ce match à domicile, pour cette demi. Je m'inquiète pas parce que je pense qu'il y aura 20 000 personnes, le stade il sera plein. Donc si vous pouvez venir et que le stade sera un stade plein, ça nous va très bien. Donc je pense que le seul mot que j'ai à dire, c'est à samedi.